quand j'ai vu cette photo, j'ai eu vraiment une grande émotion. Et pour la simple raison que j'ai été un enfant caché. L'annonce attire l'attention. Le château de Chaumont, maison d'accueil de plusieurs centaines de Juifs durant la guerre, est à vendre. Sur ce célèbre site d'annonce, le propriétaire cherche un acheteur capable de le restaurer. Tous les gros murs sont en bon état encore. Après, ils cherchent que juste quelqu'un le rénove, qui revienne ce qu'il était d'antan, toi. Du temps de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque, des enfants, dont le futur humoriste Popek, sont cachés dans ce domaine de la Creuse, à l'abri des déportations. Il y avait 15 ou 20 jeunes filles qui avaient entre, je ne sais pas moi, 15 et 20 et quelques années. Et ça attirait beaucoup les garçons du coin. En ce temps, l'ancien maire de Minsa était adolescent. Depuis, un incendie a ravagé les lieux qui partent en lambeaux. Et avoir vu ce qu'on a vu et le voir maintenant... Ça fait évidemment de la peine, bien sûr. Nous n'avons pas, malheureusement, les moyens financiers pour racheter cette propriété. C'est une tristesse pour vous ? Ah oui, énormément. Ne cherchez aucun prix sur l'annonce, peu importe l'offre proposée. La seule condition est la rénovation à l'identique de ce château.